Coucou à tous, c'est Agence et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Control. Donc, du coup, c'est un nouveau jeu. Donc, justement, on va découvrir le début ensemble. Donc, là, c'est le début. Voilà. Donc, du coup, je sais pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Donc, apparemment, il faut aller par là. Et il y a des trucs à ramasser. Correspondance, rappel d'objet, et arrêtez de m'appeler. J'ai des gens qui m'appellent, genre. Alors bon. Donc, on va essayer de tester tous les boutons pour savoir à quoi ça sert. Donc, ça, c'est pour sauter. Ça, j'avais bien capté. D'accord. Donc, ça, c'est pour viser. D'accord, oui, parce qu'il y aura sûrement des armes. Donc, d'accord, voilà. Ce seau, je l'ai vu il y a longtemps. Il apparaît sans cesse dans mes rêves. C'est des archives. Ça me fait penser à quelqu'un, mais t'inquiète. Rien à voir, mais ouais, ça me fait penser à des gens un peu. Ouais, non, ça vous fait pas penser à des gens. Non, non, pas du tout. Ok, bon, bah c'est bien alors. Waouh. Bon, on découvre vraiment le jeu. Toutes ces années, je l'ai cherché, il était là. On peut pas se mais vas-y. Bon, il y a des pièces où on peut pas entrer, c'est normal, parce que c'est le début du jeu. Bon, il n'y a pas grand-chose à visiter, on va essayer d'aller en bas, parce qu'il y avait un truc en bas. Est-ce que si je saute, ben, je peux me suicider? Non. D'accord. Notice. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut sortir ou pas? Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a d'autres gens, en fait. Mais on peut pas sortir, c'est bizarre. C'est un truc américain en fait, je crois. On peut pas sortir. D'accord. Donc on peut pas sortir. Donc on va. Bon, faut sûrement passer par quelque part. Aïe, aïe, je me fais mal. Ouais. Bah, je suis déjà passé par là. Donc, du coup, désolé, les gens, si je sais pas forcément où il faut aller, c'est parce que tout simplement c'est le début du jeu et que je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. J'en ai aucune idée d'ailleurs. J'essaie de fouiller un peu les pièces. Ok. En vrai, tu sais, les trucs de contrôle de police et tout, les polices. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, t'as d'autres pièces. D'accord. Bon, là, on voit rien, hein, désolé. Hein. Okay. Donc ouais, donc en fait il y a une sauvegarde automatique. Donc déjà ça c'est bien déjà. Que ça sauvegarde automatiquement parce que j'aime bien quand il y a des jeux qui sauvegardent automatiquement en fait, c'est bien. Est-ce qu'il y a des archives là? Non, il y a rien à récupérer, je suis pas sûre. OK. Hey. Excusez-moi. Ah, te voilà. Je suis là à cause de travail. Assistant concierge. Tu dois passer de l'entretien. Va vers l'ascenseur. Merci. L'ascenseur de ce côté. Compris. Désolée pour le bruit que vous entendez, du coup, fait, ma petite sœur. Je suis Hatti, le concierge. Jennifer, s'il te plaît. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas, Nino Ahevet. Il y a du travail pour Ash. Amène-le derrière son âge, malade. J'ai fait suffisamment de job. D'accord, donc désolé. Bon, j'ai pas tout compris parce que du coup, il y avait un peu. Bienvenue dans l'ancienne maison. Nouvelle mission. Continuez exploration de bureau. Avec visage du bureau. D'accord. Bon. Donc, du coup, on va tout explorer là.
Je me doute de ce que tu penses. C'est un jeu qui est bien. Il est plutôt du genre à tuer les gens à coups de hache. Wow. Ouais, il floute. En fait, il floute les personnes parce que ça se trouve, c'est des personnes connues, genre. Toi, faut passer par là. Ah, d'accord, non, c'est que d'accord, il y a l'ascenseur. Donc, on n'est pas passé par là, on va passer par là. La cellule. Le poster. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. Bon, c'est vrai qu'avec ma famille, c'est un peu compliqué de faire des vidéos. On a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? Arrêtez de m'appeler. Donc là, on arrive dans. Mais en fait, là, c'est le début du truc. Hein. On dirait un film, comment c'est présenté. On dirait, on va regarder un film. En fait, je pense que c'est un truc avec des enquêtes policières ou des combats. Ou je sais pas. Ça a l'air d'être ça, en tout cas. Enfin, moi, je l'ai pas testé, donc je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Donc, on va le découvrir ensemble, tout simplement. Ah, okay. Oh, c'est trop bien fait, j'aime trop. On dirait un film. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Contrôle. Est-ce que je t'ai perdu ? Juste pour un moment. Tu sais à qui je pense, mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris. Commençons au début. Genre, on peut tout casser, genre. Ok, bon bah rien d'intéressant par là. Jugose. Ah, ça doit être les chaudières ou les trucs du genre. Trouver l'origine du bruit dans le bureau du directeur. Ah, j'ai entendu un bruit justement. On est d'accord, vous avez tous entendu le bruit. Non. Ceux qui ont. Oh, il y a un DAE. Je vais juste se prendre comme ça. Hein. Merde. Merde, merde, merde. Ouvrir carte. Bureau tu veux directeur. Que je la récupère. L'arme serveur qu'il a utilisé. Vraiment. Secteur exécutif. Putain, c'est quoi ça ? Ce que je suis venu chercher risque de s'échapper. What ? Il est mort ? Oh, on peut récupérer le pistolet. Et voilà pour le poster. Les objets de pouvoir.
peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événements d'altération de monde, qui altèrent comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrée dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. What? Si vous remportez cette roulette russe, et... et c'est gagné. Regardez-moi cet endroit. Mais je suis où ? Suivre les instructions du comité pour remporter le défi du plan astral. Wow. Même moi, ce genre d'endroit, ça me ferait énormément flipper. Moi, honnêtement, j'aurais peur de ce genre d'endroit. Je sais pas vous, mais moi, j'aurais peur. Ah, mais c'est quoi ? Pardon. C'est quoi ça ? Encore. What ? Bon, maintenant j'ai une tirer arme. Avec l'arme de service. Arrête de bouger. D'accord, ok. Quand elle n'est pas utilisée, l'arme de service produit automatiquement des munitions. Ok, d'accord, donc automatiquement des munitions. Oh, c'est stylé ça. Ah, mais au secours! Ah, c'est horrible, ça te touche. Mais c'est des aliens! Manque de munitions. T'approches même pas de moi. Je sais pas si vous pensez, mais... Pensez, c'est quoi? Oh, mais ils ont des armes. Quelque chose se prépare. Cette menace. Une attaque. Devoir en tant que directeur. La sécurité du bureau. T'as entendu ça, t'as... C'est le mort. Juste après que la pyramide me parle, c'était juste du bruit. Mais j'ai pu distinguer chaque mot. Et cette arme est vivante. Tu sais quoi ? Je suis contente. Contente d'être ici. T'avais raison. Poursuivre votre exploration du bureau, exécutif central. Est-ce que je peux y aller ? Bon, déjà, lui, il est mort. Je sais pas pour quelle raison. Bah, ouais, vous voyez, il est mort. Direction du bureau, ouvrir la carte. Il y a un nouvel endroit à découvrir. Enfin, ce que je vois. Du coup, ben... on va aller là, c'est parti. What? Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Du dégoût. De la haine. Quoi? Intervenir, tu peux pas laisser faire ça.
Tu l'as arrêté. Tu l'as. Ouah, je sais pas si j'avais vu, mais c'est bizarre. Oh, c'était horrible. Genre, on dirait elle se fait posséder par le démon. Ou genre les diables, je sais pas quoi. Oh, putain, elle me tire dessus. Vas-y, recharge. Pas rigoler avec toi. Quand ils sont blessés, les ennemis des éléments de santé ramassent. Ah oui, d'accord, ok, génial. Je sais pas, il faut que j'aille. Bah écoutez, je vais passer par là. Si je suis bien, ouais, on va passer par là. Pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs que sus. Une ligne de communication sécurisée. Conseil. Atteindre l'outline. Je sais pas c'est quoi mais c'est bizarre. Vous êtes chelou. En fait si c'est des gardes. Si je lui tire dessus. Ah, il y en a d'autres. Aïe. Je sais pas c'est quoi le délire avec les gens pendus, mais il y a un problème. Oui. Ah, moi je prends le chien. Ah, mais j'arrive pas à tirer, mais je tire de la merde. Aïe! Wesh! Vous avez vu ce qu'il m'a fait? J'ai plus de vie! Du tout. Bon, j'ai pas trop de vie, mais bon, on va faire avec. On va faire avec le peu de vie qui nous reste, malheureusement. Si on se pas attaquer sans raison. Ah, regardez-moi ça. Wesh, tu trouves ça normal, toi? Regarde ça! Mais wesh, c'est quoi ça? C'est chelou. Non, mais on est d'accord que c'est bizarre. Enfin, je crois que ça me fait penser à un jeu. Ah, mais ça me fait penser à un truc bizarre. C'était pas trop là qu'il faut que j'aille, mais vas-y. Donc c'était pas du tout là où il faut que j'aille. Donc on va aller. Central. Le sifflement qui a essayé de m'envahir. C'est là que j'ai rendez-vous.
Le hiss. Donc j'ai rendez-vous. Il se faufile partout. Tous les coins. Mais il n'y a que des gens pendus. C'est ton ennemi. Mais ouais. Je veux dire, c'est notre ennemi. Ce truc est contagieux. Il se faufile comme une mélodie exaspérante pour trouver mon corps. Manque de mission. Bah, comment dire que j'étais un petit peu... J'avais plus de vie, quoi, en fait. C'est... Voilà. Les ennemis nommés sont plus difficiles à vaincre et donnent des meilleures récompenses. D'accord. On m'appelle depuis tout à l'heure. Ça met du temps, du tout, quand t'es mort à charger. Oh, c'est un peu bizarre, regardez les trucs et tout, je sais pas, c'est chou. Bon, je reviens ici. Déjà, j'arrive, déjà, je suis normal. Le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt. Le hiss. Il se faufile partout, dans tous les coins. Le hiss est ton ennemi? Je veux dire, c'est notre ennemi. Ah, mais j'ai plus de munitions. Vas-y. Je crois que j'ai un pistolet de merde. Ou alors c'est juste moi qui sais pas jouer. Le nombre au-dessus de la tête d'un ennemi indique son niveau. Les ennemis de niveau élevé sont, sont les plus dangereux. D'accord. Bah, j'apprends des trucs aussi. C'est la première fois que je découvre ce jeu avec vous. Donc voilà. Donc on espère qu'on va réussir ce niveau-là, enfin ce truc, qui a l'air un peu compliqué à faire. J'aime pas les gens qui enfin, ils sont pas pendus, mais ils sont genre... Ils sont un peu dans l'air, quoi. Le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt. Le hiss. Un peu quand même, hein. Il se faufile partout. Moi, je vois quelqu'un dans l'air. Lui, c'est ton ennemi? Je veux dire, c'est notre ennemi. Ce truc est contagieux. Il se faufile comme une mélodie exaspérante qu'on fredonne encore et encore. Le fait, faut que je saute dans les... Comment vous dire que j'ai pas beaucoup de... Comment vous dire que ouais, c'est un peu compliqué là. Désolé pour le bruit à côté. Pour remplir instantanément votre santé, interagissez avec un point de contrôle. D'accord. Mais c'est pour ça que ça s'appelle contrôle, mais ce que j'ai pas compris, c'est que ouais, du coup, mais point de contrôle, mais. Sur ouais, d'accord, mais où ça parce que... Bon, on va essayer de passer peut-être par un autre chemin. Essayez de m'envahir plutôt. Je sais pas. Le hiss. Il se faufile partout, dans tous les coins. Le hiss est ton ennemi? Je veux dire, c'est notre ennemi. Je sais pas, j'essaie de passer dans des endroits peut-être que je risque rien. Mais... Ce truc est contagieux. Il se faufile comme une mélodie exaspérante qu'on fredonne encore et encore. Bonne question. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas beaucoup de santé. Du coup, ce qui fait que pour y arriver, c'est un peu compliqué. Et on peut aller tirer. C'est un peu plus risqué, mais... Ouais.
boss il fait un peu mal quoi. Arrête, arrête, tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal. Tu fais mal, je te dis. Non. Oh, j'étais à deux doigts de le tuer. Oh, j'étais à deux doigts de le tuer, le gars en question. Au début d'un combat, faites attention à votre barre de santé. Utilisez un point de contrôle pour remplir un entraînement ou ramasser des éléments de santé lâchés par des ennemis blessés. Okay. Bon, okay. Je pouvais déjà les tuer déjà de ma base où j'étais. Donc déjà, ça m'avantageait un petit peu, mais pas tellement. Mais on va essayer de refaire pour voir si... Si voilà. On va commencer une directe. Okay. Le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt. Le hiss. Il se faufile partout, dans tous les coins. Et c'est ton ennemi. Je veux dire. Ça, ça va. Ça réveille pas les autres. Ok, ensuite. Voilà. Oui, oui, mais. Oui, mais c'est que je. Oui, mais non, mais c'est que je suis en vidéo là, s'il te plaît. Désolé pour le dérangement. Du coup, on va recommencer. 18h08. Je regarde alors parce que du coup, bah oui, je vais manger entre temps aussi et voilà. Du coup, c'est pour ça. Donc on espère qu'on va les tuer. Par contre le boss est vachement il est niveau 1, du coup forcément je pense que c'est le fait qu'il a l'air... Bah, il est... c'est le boss en fait je crois du truc. Mais j'espère en tout cas le battre parce que le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt. On va essayer de tuer tous les. Il se faufile partout. Lui c'est ton ennemi. Je vais te. Je te vois derrière le fameux truc chelou là. Pour lui, il faut se cacher un peu, tu vois. Parce que sinon, il va me racler comme ça. C'est normal, c'est normal. Bon, bah... RIP. J'aurais le temps de pas trop... Enfin, j'aurais pas trop le temps de... Enfin, je sais pas. Ça me saoule un peu, mais on va faire comme on peut. Désolé, hein. Désolé les abonnés. On va faire comme on peut, là, la vidéo, parce qu'elle est... un peu dérangée par tout ça. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est le boss qui est un peu si difficile à battre en fait, parce que du coup, bah, il est niveau 1 et il enfin, se faufile partout en cher. Oui, c'est ton ami. Je vais le mettre en train de. Je te vois derrière toi. Je prends déjà des...
j'arrive à le tuer, c'est un miracle, mais je crois pas parce que. Voilà. Merci. Pas de soucis, merci. Donc, du coup, les gars, je mange en même temps en fait. Voilà. C'est... On va refaire. Bon, il y a eu un désagrément, mais c'est pas grave. On va refaire. C'est vrai que le boss est difficile à battre, c'est si j'arrive à le battre, ben c'est un miracle en fait. C'est chaud. Le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt. Le hiss. Se faufile partout. Comment on arrive à battre ce boss, c'est une entraînement. Parce que je dis ça. Je prends cher dès le truc. Ah, arrête. Mais c'est pas vrai, il tue de ouf. En plus, les gens, en attendant que je recharge mon arme à chaque fois, ça perd du temps. Je fais de l'ASMR en même temps, c'est génial. De l'ASMR, mais je parle trop fort. Le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt. Le hiss. Il se faufile partout. Le hiss est ton ennemi. Je veux dire, c'est notre ennemi. Stratégique, donc c'est un peu stressant. Moi je vise pas bien du tout. Je sais pas viser. Oh, j'ai réussi. Se répandrait. Purifier le point de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Aide-moi. Purifier le point de contrôle. Alors attendez, parce que du coup je dois purifier le point de contrôle et là du coup j'irai ramasser des vies. Purifier le point de contrôle. Parler à l'intercom de l'abri. Vous êtes avec nous? Avec le bureau? Vous êtes saine d'esprit? À l'intercom de l'abri, c'est où ça? Secteur élévateur. Allez, parlez-moi. Je veux tout, il faut aller.
Les agents corrompus. Salle du comité. Bah non, en fait, je dois rester dans le central, déjà. Est-ce que je peux sortir ? Je sais pas du tout si... C'est là qu'il faut faire, en fait, je crois, non ? Vêtements rapides, tenue... Ah, on peut aussi changer sa tenue. Bah, je suis en civil pour l'instant. Quitter. Ouais. Je sais pas du tout où il faut aller. Affaire exécutive, bureau. Parler à. Affaire d'exécutif, exécutif central. En fait, on doit rester là, mais je sais pas du tout à qui il faut que je parle. Aucune idée. À l'intercom. Là, si vous savez ce que c'est un intercom déjà, parce que. Pourquoi c'est vers le bas, obligé. Ça se trouve, c'est. Ah, mais t'as encore des gens comme ça, mais wesh. Ah, c'est ça! D'accord. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un de sain. C'est partagé. Je m'appelle Pope. Emily Pope, l'assistante du docteur Darling. À mon tour. Je devrais mentir. Jesse Faydon, je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde! Vous êtes la nouvelle directrice! Attendez, on va sortir! Bon, eux, c'était haut gradé, hein, ça se voit. Hein. Appelez-moi Jesse. Ok, Jesse. Je suis Emily. Je ne sais comment cette force, ce... Is? Pourquoi pas. Ce Is a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voie. D'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Is. Comme le son d'un gaz toxique. T'as les yeux bleus. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient mais pas ils protégés ont les yeux par un trop beaux, oui. En l'occurrence... Et au passage, je mange du poulet au curry avec du riz. Ça n'a rien à voir. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur de toute évidence. Désolée, je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça fait beaucoup à gérer. Max occupancy 6 personnes. Oh, la limite, c'est un truc Covid. Flagué. Ne pas dépasser 6 personnes dans cet atelier. J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Je lui dis que ça ressemblait à un suicide. L'arme de service. Et... Je sais que ça peut paraître fou, mais je le vois. Mais ce jeu est trop bien fait, c'est le Shelter. Il me parle. Je ne comprends pas tout, mais il m'a dit de purifier le point de contrôle. Ah, il y a des gens comme ça, je n'ai pas compris pourquoi. La salle tout entière a bougé. C'était vous ? Elle bougeait et vous êtes entrée alors que le verrouillage était déjà actif, avant même de devenir la directrice ? Comment ? Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Le concierge m'a fait entrer. Oh, génial! Putain, c'est vraiment incompréhensible! C'est... Oh, je peux même pas... Bon, Jesse, j'ai un million de questions. Vous devez en avoir tout autant. Genre, vous connaissez mon frère Dylan? Pas encore. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle... Vous pourrez peut-être soigner ces infectés. Mais c'est chelou, on dirait ils bougent, on dirait ils sont possédés. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est bizarre. Nos options seront très différentes. T'as pas compte à son regard, c'est un peu... Je la connais pas, mais je l'apprécie déjà. Elle est à l'opposé de l'agence de l'âge que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui, j'essaierai. Je parle pour toi, bien sûr. On essaiera ensemble. Mais elle, je crois qu'elle a des pouvoirs, des super pouvoirs, je suis sûre. Ok, t'es avec moi? On l'a déjà fait. Repousser Louis. Tu
purifier l'agent contaminé par le fils. Ah, c'est un truc... Du coup, on va cesser sur ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous avec la notification. Et je vous dis bye bye tout le monde.